Listen up, Eddie. It's time to get out there and nail that bastard. War dogs? Yeah! Salut à tous, c'est Chinou et ce fois-ci maintenant on va attaquer la partie 7 de Manhunt. Et là en fait, bon, c'est... Enfin je sais pas, je sais plus laquelle c'est. Bon c'est pas grave, on s'en fout. Bon en fait maintenant ce qu'il y a c'est que maintenant c'est les militaires qui s'en mêlent. Et là en fait on a été dépouillés de toutes nos armes et ils veulent vraiment nous faire la peau. Donc eux ils sont armés de machettes, là je n'ai strictement rien. Et donc je vais essayer de devoir me faufiler derrière, sans me faire repérer par l'autre mec. Juste pour aller chercher un câble en fait. Parce que le câble va être ma première arme dans ce truc pour pouvoir en obtenir une autre. Donc en fait ce que je dois faire c'est aller chercher le câblage ici bêtement et attirer le mec. Et comme ça ben, dès qu'il aura tourné le dos je vais lui saisir la oh putain je suis vraiment pas en forme là, je suis vraiment en effervescence. Donc ce que je dois faire vraiment c'est lui ciseler la gueule pour lui piquer son arme. Et alors comme ça, bah, je pourrais m'amuser un petit peu à la machette. Parce que là, ça va devenir hard. Au niveau des séquences, ça va devenir chaud. Ah bah en fait, je vais pas lui cisailler, je vais juste l'étrangler. Est-ce que c'est parce que j'ai vu que l'autre allait arriver ou pas? J'en sais rien. Juste, voilà. Donc maintenant, j'acquiert la machette. Et ça va devenir chaud, chaud, chaud. Oh putain, il m'a repéré. Ouh, j'ai juste eu le temps de bouger. Donc voilà. J'espère que les séquences à la machette ça va plutôt être assez gore donc j'espère que vous allez pas être trop dégoûté. Je peux vous le dire c'est hard. Et donc en fait donc voilà on doit se battre contre les militaires, les chiens de guerre de Ramirez. Et ça commence vraiment à se corser à partir de maintenant. Parce qu'ils sont hard. Donc voilà, coup dans le dos. Oh putain c'est vraiment hard. Je crois que c'est une des armes les plus dégueulasses. Là. Donc voilà. Donc maintenant, hop. C'est tout con, on doit juste avancer comme dans Tomb Raider. On va essayer de trouver les façons de débarquer. Et on va en attirer un autre. Putain, la classe quoi, devoir se cacher dans les chiottes. C'est vraiment le genre de truc qui me pèle le jonc. Putain, n'empêche, ils font peur, hein, ceux-là. Ils sont habillés en kaki et tout, c'est dégueulasse. Putain. Et ouais, hop là. Ce qu'on appelle, c'est faire baiser mon pote. Tac. La violence. Oh putain, dégueu. Ah, pomme d'Adam. Ah putain j'ai mal pour lui. Oh putain c'est dégueulasse. Donc voilà. Maintenant on va continuer tranquillement. On doit faire péter le cadenas mais je n'ai pas le pied de biche. Donc il va falloir aller chercher le pied de biche. Donc maintenant comment on va aller jusque là-bas. Je ne me rappelle même plus comment ça se passe. Et je sais que j'en ai chié pas mal à un certain endroit. Je pense que c'était celui-ci en plus. Ah ouais, ça c'est mortel, le leurre, je viens de trancher la tête du mec et je prends sa tête pour faire un leurre. C'est dégueulasse. Oh, c'est la limite de l'exécrable, là. Bon, comme d'habitude, hein, principe, il faut être assez patient. Oh putain, merde, je me repris. Salopard. Voilà, là je vais pouvoir les attirer. Moi ce qui me fait rire c'est les petits allaitements de chiens qu'ils font quand on les tranche ici. Boum. Totalement discret. je tranche la gueule devant son pote. Hop là. Allez bouge, 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 bouge. Fui. Oh putain j'ai pris un coup dans le dos. Putain j'ai même pas eu le temps de me cacher. Truc de dingue. Wouh, speed, 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 speed.
Ah ouais, d'accord. Il me dit déjà que je dois trouver un pied de biche pour péter tout ça. Oh putain, et vas-y quoi. C'est une blague. Ah, il y en a combien? Oh, là si je m'en sors vivant, je suis content. Là, je pourrais vraiment me dire que je suis balèze. Parce que là, à mon avis, je vais me faire trancher comme une truie. Donc voilà, ben, même principe que d'habitude, comme je le disais tantôt. Bang! Oh putain, j'ai mal pour eux. Bon bah, on continue, hein. Y a pas le choix. Ok, je vais me faire remarquer ou pas? Là, je suis bien chaud quand même pour passer jusque là-bas, à découvert. J'ai bien confiance en moi et j'ai eu trop confiance en moi. C'était mon gros défaut. Ah, con que je suis, je pensais être dans l'ombre. Non, à mon avis, là, je vais me faire plomber. Là, c'est terminé pour moi. Il n'y a aucun endroit pour me cacher. Ah si. J'ai quand même réussi. Bon, bon, bon. Deux chiens de guerre qui rien pour moi. En fait, l'autre, là, camouflé en costume de Rambo, il me fait franchement flipper. Et il m'a toujours fait flipper celui-là. Ah ouais, j'ai encore même technique que là tout à l'heure. On va bien voir la tête qui se déclaque. Tac. Allez, sauve-toi. Speed. Oh, j'ai eu le temps. Nickel. Chien de guerre. Alors je vais faire la sanglante, hein, si j'y arrive. Je peux vous dire que la sanglante elle est atroce. Voilà, tac. Un coup dans la panse, tac. Et hop, on insiste, hein. Flac. Oh putain, ça me dégoûte. Donc voilà où est-ce que j'en suis arrivé. J'ai dû faire un petit montage tellement de fois j'ai perdu. Et tout ça pour dire que je dois recommencer là. Il y en a plusieurs, il y en a un bon paquet qui vont me tomber sur la gueule. Et il faudra être stratégique pour arriver à le passer. Le problème c'est que je peux même pas m'en faire un sans qu'il y en ait un autre qui arrive. Donc à chaque fois je vais devoir en tuer un, m'enfuir et le repéter. Et ça va être comme ça à chaque fois. C'est un peu... C'est contre mes projets d'habituel. Et comme vous voyez, il y en a plusieurs. Hein. Il n'y a pas que celle. Bam! C'est arbre. N'empêche, ça c'est un bon moment de puissance parce que c'est toujours lui qui me faisait flipper. Là j'ai... Ouh, j'ai réussi à l'esquiver. Oh putain que je suis trop fort. Je suis trop fort. Oh, j'ai juste le temps. Putain. Eh, je suis chaud là dans cette partie. Tac. Massacre à la machette. Oh putain. Encore un autre. Je suis vraiment chaud dans cette partie-ci. Il va passer à côté de moi comme d'habitude. Oh putain, con que je suis. Je suis sorti de l'ombre. Et je suis en train de perdre de la vie, de la précieuse vie. Voilà. Gros pigeon de kermesse va. Tac. Putain, c'est vraiment... Je suis vraiment un déchiqueteur dans ce jeu. Voilà, tranquille. Bon, on enchaîne. On va arriver jusqu'à un autre, hop, là ça va être la boucherie, tac. Combat de machette. Donc voilà, je vais faire une petite pause parce que quelqu'un est là à côté de moi, donc je n'ai pas envie de gâcher la vidéo. Donc à tout de suite.
Voilà, on se retrouve donc pour la scène où je vous avais laissé, donc je l'achève tranquillement, et voilà. Donc, maintenant j'ai enfin trouvé ce petit biche, on va devoir les péter tous ces cadenas. Et je peux vous dire que le petit biche est aussi hardcore que la machette. Donc, j'ai un peu de chance. Est-ce que je vais savoir révéler la licence de repérer? Ça c'est la vraie question. Est-ce que je peux vous dire... Oh putain, non. Il m'a vu. Oui. Oui, mais que là c'est... Oh putain, j'ai pas vu arriver non plus. Et c'est vraiment... c'est hardcore ce jeu. Et là, il y en a combien pour moi? Tout ça pour moi? Est-ce que je vais avoir l'intelligence de fou? Oh. Ça, ça me ressemble pas, mais c'est une question d'intelligence. Non, pour, comme dirait un de mes potes, pour survivre, tout est permis. Voilà, tranquillement, j'arrive jusqu'au point de sauvegarde. J'ai rien à foutre, puis j'en ai laissé. Voilà. Donc voilà, ça va commencer à vraiment devenir chaud, parce que ça commence avec les armes à feu, et je peux vous dire que là, ça va être chaud. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette fin-là. Merci d'avoir regardé, et ciao à tous.